pense que je suis chanteuse. Non, c'est pas en hommage à Alain Bachung, c'est un journal de deuil. C'est un journal de deuil, c'est un geste qui devait être fait. Il se trouve que mon mari était Alain Bachung, mais il aurait été n'importe qui boulanger. J'aurais fait ce livre, j'aurais écrit ce livre. Voilà, c'est un livre vraiment sur le deuil, sur ce que c'est que de perdre un être cher. Oui, j'ai fait pas mal de disques. Le dernier, c'est Hôtel de l'Univers, qui est sorti il y a un an, c'est le 9e album. Voilà, il y a quelques dates qui sont prévues, mais je réfléchis déjà à un prochain album. Les influences principales, c'est le rock, le blues, la country, plus que la chanson française, hein. Même si j'écris en français. C'est autant la country avec Patsy Cline ou... Ouais, j'adore Emmylou Harris par exemple, Nick Cave, j'ai fait un disque avec Lisa Bargold, voilà, ce rock là un peu sombre, berlinois. C'est du rock expérimental, certainement un peu lyrique. Un peu lyrique parce que ça parle beaucoup d'amour et. Oui, c'est une base de blues éthéré avec des traces lyriques, voilà. C'est comme ça que je dirais les choses. Ouais, c'est essentiel. D'ailleurs, j'écris avant de composer toujours, donc je commence par écrire. Et c'est le cœur de ce que j'ai envie de raconter, donc c'est très important. Les mots, c'est très important et j'aime écrire, c'est un plaisir de prendre ma plume et de trouver les mots exacts pour dire exactement ce que je ressens, ce que j'ai envie de me raconter. Bah oui, ça fait partie du travail de mémoire que je dois faire autour de la carrière d'Alain et oui, je suis très contente de le faire. Et je suis très contente que, bien sûr, qu'il y ait des signes de reconnaissance encore de la profession alors qu'il n'est plus là. Oui, c'est très beau, c'est une façon de continuer la vie, l'amour, tout ça, c'est beau. Brigitte Fontaine, Jane Birkin, Alain Chamfort, enfin on ne peut pas dire non plus sur la jeune scène, mais voilà, il y aura tous ces gens-là et je pense que c'est une très belle soirée. Voilà, tout le monde va chanter, et puis il y aura des images de Lina, parce que c'est l'initiative de Lina cette soirée, donc avec des images d'archives anciennes, inconnues. Chacun va interpréter un titre d'Alain avec sa sensibilité et sa touche, sa couleur personnelle, c'est l'idée. Non, pas comme ça. Tout le monde peut faire un hommage à Alain dans son coin, mais là, un vrai hommage officiel, avec moi comme garant, Lina, enfin quelque chose d'un peu officiel, non, ça c'est la première fois.